Bon, et eh bien vous voyez, on va passer sur le bateau là. Moi ça va, donc aujourd'hui on... Bon, et eh bien j'ai mis mes pieds dans... Stop playing with me, I'ma make you my wifey. Salut, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, voilà, donc aujourd'hui on est le 15 exactement et je vais vous filmer un vlog, voilà, donc sur un coup de tête on s'est dit qu'on partirait à Étretat, c'est à peu près à 3 heures de Paris, on y va en voiture et du coup mes affaires sont prêtes, on va y aller, je vais pas conduire à l'aller mais je pense conduire au retour et voilà, je vais juste vous emmener avec moi. Avant de partir, je vais faire chauffer le repas et on va manger et on prend la route. Ah, j'ai posté vos petits colis aussi ce matin. Je pense que j'ai fait un TikTok. Voilà, donc hier j'ai fait des petites pâtes sautées hop, au bœuf. Du coup, je les fais réchauffer. On va manger. Et après, ben, go Étretat quoi. Voilà, on va juste manger un petit peu. Hello, bon ben là on est parti. Donc on va direction le Havre et ensuite à Étretat. On va chercher un, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour tenir le portable parce qu'on n'en a pas. Et pour le GPS, ça sera un petit peu compliqué. Et ensuite, ben, on va direction Étretat. Je vais vous montrer un petit peu la route et après, je vous retrouve directement là-bas. Pris de quoi accrocher le portable et on y va. Coucou, on est toujours sur le trajet, on est à, je vais regarder, 2h20 du Havre. Et ensuite pour aller à Étretat c'est 30 minutes, mais on va s'arrêter un peu au Havre avant. Et franchement le paysage est juste trop cute, ça change de l'Île-de-France, franchement bah, je vous remontre un peu mais le paysage est magnifique. Donc on est toujours direction Étretat et la route est un petit peu longue, donc j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai ramené à grignoter au cas où l'appareil bouge, je l'ai déposé à la va-vite. Du coup, durant le trajet, si j'ai soif, j'ai pris de l'ice tea et j'ai pris ça. Et bien sûr, des bonbons. Et là, il nous reste 2 heures de route. C'est vrai que c'est pas long, mais c'est long. Voilà. Et je vous reprends une fois à l'hôtel, je pense, ou à Étretat. À toutes. J'étais pas du tout prête à ça. En fait, on doit aller sur un espèce de bac. Parce qu'il y a des travaux, je crois, pour traverser. Du coup on n'est pas encore au Havre là. Donc ouais, on va se mettre là. Et du coup c'est là la sortie. Ok, bon. Hop. Bon, et eh bien vous voyez, on va passer sur le bateau là. Ça fait trop bizarre. En fait c'est un pont amovible là. Bon, et bien là on est à 23 minutes de l'hôtel et comme vous l'avez vu on a pris un bac en fait, du coup on était sur l'eau. Moi c'était pas la première fois, c'était la deuxième. En fait en Guyane il y a le Suriname à côté et pour aller au Suriname avec la voiture, du coup on prend des bacs et tout, c'est assez fun. Et là on va arriver à l'hôtel et je vais vous montrer un petit peu. Et voilà, franchement c'est passé assez vite le trajet. J'en avais un peu marre à un moment mais ça va, c'est passé assez vite. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, et bien voici la chambre pour mon petit séjour à Étretat. Bon, et bien
bien, on est à la plage du Havre. On va pas se baigner parce qu'il fait froid. Il est 18h à peu près, on a juste voulu y faire un petit tour. Et demain, on ira à Étretat. Bon, et bien, j'ai mis mes pieds dans l'eau. C'est super froid. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc aujourd'hui on va à la plage d'Étretat. Donc hier on était à la plage du Havre, on s'est pas baigné parce qu'il faisait froid. Aujourd'hui on va à Étretat. J'ai mis mon maillot de bain au cas où, mais s'il fait trop froid je me baignerai pas. En tout cas là on est habillé, changé, et on va aller prendre le petit déjeuner. Je vais vous montrer un petit peu, c'est un petit déjeuner rapide compris dans l'hôtel du coup, et on va y aller maintenant. Et ensuite ben je vous ramène à Étretat. On en a pour 30-35 minutes de route. À tout à l'heure. Bon, et bien voici mon petit déjeuner cappuccino. Bon, et bien on est arrivé à Étretat. Voilà, je vous ai montré un petit peu le trajet et je vois les falaises de là, donc je vais vous les montrer tout à l'heure, et on va commencer à faire grimpette dans pas longtemps. Bon, et bien vous pouvez voir derrière, la vue est juste magnifique. Bon, on n'a pas encore commencé à faire grimpette, mais on va y aller. Du coup, j'ai mis des baskets pour l'occasion. Et j'ai envie de piquer une tête, mais il fait froid. Du coup, j'ai même rajouté ma petite veste. Bon, et bien on avance. Et bientôt, on sera tout en haut de la falaise. Et je vous montrerai la vue. Pour l'instant, on marche tranquillement. On est à la plage, la mer est devant nous, c'est juste magnifique. Une plage de galets. Et je vous avoue, j'aime pas trop ça. J'ai eu trop mal aux pieds pendant que je marchais. C'était un peu galère, je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. En tout cas, là, on va profiter du paysage et peut-être se baigner, mais je suis pas sûre. On verra bien, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Et bien là on est de retour dans la voiture. Donc on part de Étretat. On a passé un super moment. C'est juste magnifique. Un bol d'air frais à refaire. C'est vraiment une destination que je trouve magnifique. Les galets, j'ai pas trop kiffé, mais mis à part ça, c'était un super moment. Donc là on retourne au Havre, parce que notre hôtel est au Havre. Et voilà, je vous ferai encore partager quelques moments avec nous, mais on verra. En tout cas, à tout à l'heure. Oh yeah.